Qui a 31 ans, euh, qui fait de l'athlétisme, et tu as fait pas mal de disciplines quand même. J'ai vu que tu avais touché un petit peu aux 100 mètres, que tu avais fait du relais 4x100, euh, que tu avais notamment fait du triple saut en étant au passage euh, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres. Euh, et tu as fait donc, le saut en longueur, du saut en longueur, qui est donc ta discipline de prédilection, euh, discipline dans laquelle tu as été champion du monde en 2006, médaille de bronze aux Jeux Olympiques en 2004, médaille d'or en 2008, et tu as refait une médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Rio. C'était donc en 2016. Tout ça, c'était en tant qu'athlète paralympique. Mais tu t'es aussi essayé euh, aux compétitions valides, avec notamment euh, les Championnats de France en 2010 en salle, je crois, à Bercy, euh, où tu as fait médaille de bronze donc chez les valides et où tu as battu ton propre record du monde en faisant 7 mètres 82. Est-ce que tout est bon ou pas oui, ouais, c'est bon. Ouais. <laughs> c'est juste Jeux Paralympiques, du coup, je précise, parce que tu, tu dis Jeux Olympiques pour les, pour les médailles. Ah oui, d'accord, pardon. Oui. Médailles médaille Paralympiques. Mais oui, oui autrement. Euh, Il y, y a des ouais, championnats bon. du monde <laughs> aussi. enfin Deux fois champion du monde. Deux fois, enfin, d'accord. Après, ça, je okay. sais pas. enfin j'ai pas raconté euh, énormément délais, mais les de plus choses. Il y avait énormément de choses. Et justement, je me demandais, mais comment tu as fait pour être bon dans autant de disciplines en fait alors je suis pas bon dans autant de disciplines déjà, je suis vraiment sautant en longueur et après euh, j'ai touché un peu à tout, enfin quand on fait de l'école d'athlète tu touches à tout au, dé au départ, donc j'ai même fait des haies avant, <laughs> je fais de la hauteur, j'ai commencé par la hauteur, j'ai gagné d'ailleurs en hauteur d'abord avant de gagner en longueur. Et euh, triple saut. J'aimerais bien, par contre, j'ai dit à mon coach à Steve, euh, j'ai dit, euh, j'aimerais bien finir sur le triple saut. Mais en attendant, il euh, faut d'abord que physiquement tout aille bien. Ouais. Tu avais annoncé que tu aurais aimé faire les Jeux Olympiques, enfin, euh, bah, justement, les Jeux Olympiques et non pas les Jeux Paralympiques 2016. Pourquoi, justement, ça ne s'est pas fait bah, Pourquoi ça ne s'est pas fait Alors, je rectifie un tout petit peu. Ce n'est pas oh, j'aurais aimé faire. En fait, c'est plus. Euh, une une suite logique par rapport au niveau quoi. C'est-à-dire que tu progresses, tu as gagné euh, quelque chose, tu as envie d'aller au-delà de ça. Et euh, donc moi que j'avais gagné en 2008, je revenais de blessure, j'ai eu beaucoup de périodes de blessures qui durent 3 4 ans généralement à chaque fois et, euh, et donc je sentais que j'avais un gros potentiel et une grosse marge de progression. Et donc je me suis dit le rêve de gamin que j'ai au fond de moi, c'est un objectif, je sais que je peux progresser et je pense réellement que je peux atteindre voilà faire 8 mètres 8 mètres 20, je pense que c'est dans mes cordes quoi physiquement quoi et donc euh, bah, j'ai progressé assez rapidement et donc j'ai montré que c'était possible après pourquoi je j'ai pas fait en 2012 bah, parce que <laughs> c'est sport à haut niveau quoi je me suis blessé Ce n'est pas une excuse mais ça voilà c'est comme, comme ça, ça. j'ai pas ouais. voilà j'ai pas réussi et 2016, bah c'est un peu pareil quoi. J'ai eu pas mal de galères pendant pendant les 4 ans et puis j'étais pas au niveau tout simplement quoi. Le but c'est juste d'avoir le niveau, donc c'est même pas une question de valide pas valide. Juste moi l'idée derrière ça c'est juste de de briser de briser ça parce qu'on s'en fout quand on s'entraîne là, on se dit pas on est paralympique, c'est quoi, enfin non, si tu fais ta discipline, fais ton sport. Seulement trouver à travers la performance en fait. Oui c'est ça, c'est juste ça. Et moi au départ c'est personnel parce que je sais que j'ai le potentiel et et que du coup si je fais moins pour moi c'est décevant en fait. donc de, de sauter 7 m50 ou autre, pour moi c'est décevant parce que je sais que je vaut mieux. Après selon les tu vois les conditions enfin du moment euh, que ce soit physiquement ou autre, ça peut être satisfaisant. Mais euh, mais voilà, je tends vers ça et euh, après au niveau plus global, bah, ça fait passer pas mal de messages quoi, c'est-à-dire que quand tu de pouvoir le faire, je sais que tu tu, tu euh, comment dire, auras forcément une forte résonance autour de de, cette, de la réussite de ce projet-là. Et tu peux faire passer tout un tas d'idées, quoi. Le fait que justement, bah, sur sur plus sur l'égalité, sur euh, le fait que euh, ah ouais, mais en fait, euh, ah putain, mais il a un handicap. Moi, je parle jamais de handicap parce que pour moi, c'est pas un handicap. Je fais plus de choses que la plupart des gens qui ont deux bras et deux jambes. Même moi, je ne sais pas de quoi je suis capable. Donc, il y a plein de choses. Je me dis ouais, en fait, je pense que je peux pas mais le faire. Au final, sait, je peux en fait, le faire. de toute façon. Non, personne ne sait. mais que les, 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 Par rapport à eux-mêmes, par rapport à vous, par rapport à toi, tu penses avoir des limites. Tes limites, elles sont. Un million de fois au delà de, de ce que tu penses donc euh, c'est aussi euh, faire passer ce, ce message là et pour moi ce message il passe mieux si euh, par la performance quoi aussi mais euh... qu'est ce qui te manque aujourd'hui selon toi pour, pour passer cette, cette barrière des, des 8 mètres qu'est ce qu'il qu faut euh, bah, travailler en, en bonne... plus qu'est ce qui je pense pas... que c'est les blessures ouais être en bonne santé je, je suis... <laughs> ça fait <laughs> sur quoi 13 ans 14 ans 13 ans de carrière j'ai eu que trois saisons sans blessure donc, ouais. j'ai eu plus de. Je me, me bats depuis mais depuis que j'ai 17 ans, en fait. Hein, donc, euh, c'est comme ça. Je fais, je fais avec et je dois m'adapter. C'est-à-dire qu'une semaine, ça va aller super bien. Et en fait, euh, deux ou trois jours après, je vais être super fatigué. On ne comprend pas pourquoi. Et, euh, et donc faut gérer. Donc maintenant je me connais et tout. Je me prends pas du tout la tête, c'est-à-dire que je sais que je suis capable. Tu parlais de l'âge tout à l'heure. Euh, franchement, en fait, ça c'est pas du tout une inquiétude. Je suis plus fort euh, que quand j'étais plus jeune euh, en musculation. Parce que ou du autre. coup maintenant tu te connais et tu arrives à. Je me connais, mais ah. même en fait, il euh, y a tout un tas d'exercices que tu fais quand tu peux pas, euh, quand tu peux pas courir, qui sont des trucs qui qui, euh, bah, qui vont stabiliser justement ton bassin ou autre et qui vont bosser vraiment les muscles profonds. Et en fait, ça, ça paraît rien, mais les... quand tu te remets sur, sous une barre de squat, par exemple, es, tu vois tes 100, euh, comment dire, ceinture et tout, tu sors et tu fais... Ouais, tiens, ah tiens, c'est marrant, il y a 230, ça bouge pas facile. du tout. C'est facile. <laughs> ouais, tu, tu, tu descends, tu, tu contrôles tout ce que tu fais. Et donc, c'est être dans le contrôle. Et après, non, bah, ce, qui, ce qui pour moi, vraiment, euh, ferait que je puisse m'exprimer totalement, c'est ouais, juste euh, bah, être en bonne santé, quoi. C tout simplement. La santé, façon. ça va là ça va à peu près, mais j'ai sauté, sauté une fois dans l'année. Voilà. Mais c'est pas pour ça que je ne peux pas faire des... des L'objectif, c'est d'être champion du monde cet été. Donc en gros, toute ma carrière, je me suis habitué à être là le jour J. Tu euh, ça ça as plutôt que bien que réussi soit... à chaque fois. Oui, ouais, mais, quel, mais quelles que soient les conditions, et, et le jour J, on s'en fout de savoir euh, ce qui s'est passé pour toi pendant l'année ou pas. Il y en a, ils n'ont ils ont pas eu de blessure, il y en a, ils sont à 100% de leurs moyens. Toi, tu es peut-être à 60%, mais avec tes 60%, il faut que tu sois à 1000% le jour J. Quoi. Et franchement, c'est ça le plus important, et donc c'est se battre avec ses armes. Et ouais, voilà, je me prends pas trop la tête, quoi. Je, tu vois, je, je gère et, euh, et il ouais, y a de bons trucs à venir, donc c'est cool. On voit que tu as, as beaucoup pris parti euh, euh, pour les futurs, on l'espère, Jeux Olympiques de Paris 2024. Je prends toujours parti, c'est pas fini. Et pas fi bon, en fait, tous les athlètes, on va dire, sont bas ambassadrices aussi de Paris 2024, Bien sûr. quoi ce serait énorme et donc c'est normal de mettre de l'énergie pour ça et il y a euh, voilà il un déplacement là qui est peut-être prévu enfin euh, à l'étranger donc j'avais montré à Steve je dis bon c'est pas une bonne période pour y aller c'est en plein pendant les, les compétitions et donc je dis mais apparemment c'est important donc euh, je crois que je vais y aller quoi. Et Steve me dit bah oui faut y ailles, il faut il faut que tu ailles quoi c'est important bah c'est important tu dis bien sûr ça dépend pas juste de toi mais c'est l'addition de toutes les personnes qui contribuent à se battre pour pour qu'on ait les jeux qui va faire qu'on mmh. peut avoir les jeux donc euh, c'est juste génial tu vois déjà tu te dis c'est une opportunité de dingue et après ouais d'avoir les jeux ce serait juste énorme en 2012 j'étais tellement j'étais à la mairie de Paris tu vois en 2005 quand ils ont annonc annoncé la ville euh, la ville euh, okay, euh, gagnante pour le, pour 2012 on était dedans dans la mairie de Paris, mais j'étais j'étais en larmes, mais vraiment quand je te dis ça, j'étais en pleurs. C'était une journée de deuil parce que pour moi aussi, par rapport aux Paralympiques aussi, quand tu organises les Jeux, tu, euh, tu gagnes euh, les 20, 30 ans au niveau de l'infrastructure, mais même au niveau de la mentalité. Tu touches vraiment l'opinion publique, tu, ouais. tu, tu touches vraiment euh, les gens réellement, parce que c'est de l'humain, les gens viennent, les gens partagent. Et, euh, et en fait, quand on a vécu les Jeux de Londres, on n'aurait pas été au niveau en 2012. Donc euh, c'est bien qu'on qu bosse pour 2024. Et d'ailleurs, les Anglais sont aussi dans notre équipe <laughs> et nous aident pour ces jeux. Donc voilà, ouais, non, ce serait énorme. Après, si on a les jeux... 2020 déjà Tokyo, enfin c'est sûr j'avais annoncé je fais Tokyo ouais après c'est gérer les 4 ans justement pour pour pas euh, trop tirer sur la corde et après 2024 bah euh, ouais c'est possible que je pousse jusqu'à 2024. Le mec va bah, se réserver et tout genre juste pour ces, <laughs> ces jeux de Paris 2024 si on les a quoi. Il y a tellement, d'athlètes, tellement d'athlètes, enfin c'est pas tout les, dans une vie, ça peut se présenter qu'une fois. Dans une carrière, euh, faut avoir la chance d'être au bon moment. T'imagines, les derniers, mm -hmm. c'était en 1924. Mais Ouais, ce que j'allais dire, c est, c est, ça va être les centenaires si on les ouais. a. C'est incroyable. Donc, ce, sera incroyable. Euh, donc, donc, euh, ce serait juste, juste énorme. Et forcément, t'as envie d'être de la partie. Après, on, je connais pas le futur, on verra, on n'est pas là. Mais déjà, faut qu'on ait les jeux avant tout. C'est parti. Qui va poutrer qui Attention, il y a eu beaucoup de menaces. Il y a eu beaucoup de. Ok, bon, bon bah là. Non mais je peux pas parler. <laughs> je suis bouche B. Il vient de me terminer. Mais j'ai même pas eu le temps de. <laughs> c'est horrible. Je suis trop triste. Je suis dégoûtée. Non, c'est terrible. C'est horrible. J'avais annoncé. Et j'annonce très rarement. Il faut pas annoncer quoi, c'est comme ça. T'as joué toute ta vie. Tu me menti. Non. Non, non c'est encore pire. <laughs> en tout cas. Bah, en vrai, euh, habituellement, je remercie euh, les personnes conviées sur le linge, là, mais là, je ne vais pas te remercier, en vrai. Pas grave, je parce que je suis super déçue, donc euh, je ne te dis pas merci. Mais en tout cas, je te souhaite quand même bonne chance, parce que je suis bonne joueuse. Ouais, voilà. <laughs> merci beaucoup. À toutes.